Ah. Bonsoir, ça me tentait de faire une vidéo, je m'ennuyais, j'avais rien à faire. Toujours quoi faire, mais. Là, je me disais, tu sais, parce qu'à un moment donné, c'est fun, hein, on parle de projets qui sont intéressants, puis qui, tu sais, qui parlent un potentiel de nous sauver, hein, tu sais, de pouvoir amener des maisons gratuites d'automatisation pour le peuple, par le peuple. Puis créer, tu sais, des genres de paysages comme ça, hein, puis faire de nos vies des projets humanitaires. Bon, vous savez, ça fait des années que j'en parle, ça fait des années que je demande votre support. Mais là, je m'aperçois, hein, que plus en plus qu'on va être coincé, hein, AI va remplacer les gens, les robots vont remplacer les gens, l'automatisation va remplacer les gens, les jobs, la censuration, tout ça va venir à un moment donné, le monde va vraiment vouloir sauter sur ces projets. C'est inévitable. Qu'est-ce qui est plate, c'est que le monde ne se réveille pas avant que ça arrive, parce que ça nous empêcherait d'avoir besoin d'endurer des choses qu'on n'a pas besoin d'endurer. Des concepts des autres qu'on n'a pas besoin d'exactement implémenter comme le reste du monde. On peut avoir carrément un autre système, hein, basé pour le peuple, sur le peuple, par la créativité, comme je l'ai déjà mentionné des milliers de fois auparavant. Des milliers, des milliers, des milliers. Ah oui, mais là, j'ai le bras robotique en arrière de moi. J'avais fait marcher un peu, mais là, je l'ai fait pour mettre la caméra après. Je pourrais faire le tour, montrer des technologies, de l'évitation, montrer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est le marché. Puis, je pourrais monter un nouveau tableau périodique, pour avoir les éléments, super conductif, et pour comprendre, je pourrais vous montrer les appareils Free Energy que j'ai fait moi-même, puis les réexpliquer. Je pourrais vous montrer des appareils Free Energy de d'autres gens, puis vous les expliquer. Je pourrais vous parler des galactiques, puis des gens qui se sont présentés disant venant d'ailleurs ou de d'autres concepts de réalité. Je pourrais vous parler White Buffalo, puis les traditions des natifs, puis je pourrais vous parler là. Des centaines de formes de géométrie comme ça, des créations de cristaux, des créations de toutes sortes d'affaires que j'ai conceptualisées. C'est quasiment assez pour partir les Pléiades, puis partir tous les concepts des âmes qui sont déjà comme rendus là. Drôle à dire, hein? En tout cas, c'est pas fou. C'est juste ça. C'est ça qui arrive quand tu te permets d'apprendre, on peut dire, d'autres sciences, d'autres perceptions qui te permettent de concevoir de quoi d'autre, de quoi de nouveau. Si ça ne serait pas de ça, on pourra pas discuter de aucune des mentions que je fais ce soir. L'image que j'ai derrière moi, je la mets, c'est pas moi qui l'ai fait celle-là, je la mets parce que c'est un peu plus représentatif même que qu'est-ce que moi j'ai pu mettre en image. L'idéal, là, c'est pas bon pour moi, là, c'est un petit peu trop, et bon, la géométrie est haute, là, c'est correct, peut-être pour la, quand ça s'étend, faut que ça change de couleur, faut que ça soit des jardins, communautaires, faut que ça soit de l'agriculture pour le peuple, pour que les dômes aient, un purpose, comme ils disent en anglais, des projets, qui sont pour tout le monde qui sont là, hein, que tout le monde peut participer de sa façon, par sa créativité, puis continuer à étendre, à grandir avec des projets, puis des sphères comme ça, de groupes de gens qui se regroupent pour une spécificité d'énergie globale, de distinction pour avoir la diversité. Donc, je viens de dire, ce serait long à expliquer. Je préférerais être sur les lieux, tu sais.
Puis dire, OK, écoutez, que vous en pensez si ça fait ça. L'autre dit, ah, mais là, je peux jouer. Ouais, OK. Dites, OK. Je sais pas, mais moi, je sais juste parce que je veux aider. Là. Ça n'a pas rapport avec rien d'autre. C'est plate que je n'ai pas d'aide pour vous aider. C'est triste, sans crime. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas une canne à pêche pour vous pêcher. C'est plus que qu'est-ce que je peux mentionner. Ça touche plutôt les sphères de ce que vous pouvez créer aussi. Ok, ouais. De voir des si beaux projets, pas être supporté, c'est difficile. Extrêmement difficile. C'est pas évident de rester intègre dans ces situations. Comme tout le monde qui crée, qui réussit à créer, finalement, la beauté, c'est de pouvoir manifester ce que tu crois. Je peux manifester ce que je crois, mais ce que je veux manifester aussi, c'est ce que tu crois. J'ai pas, tu comprends, c'est pas comme, parce que moi, c'est pas tout alentour de moi. Moi, j'ai ma petite section comme ça, qui est plutôt zen, il y a des petits ponts, puis des ruisseaux, puis c'est japonais, puis c'est beaucoup plus avancé que ça. Toutes les poutres sont faites comme les Chinois. Ça flot énergétiquement. Même mon énergie, les fils électriques, je peux les faire pareil, comme si j'accentuais. J'utiliserais différents matériaux pour les fils, pour assurer une vibration qui est bonne pour les plantes qu'il y a là. Je serais un jeu de lumière, hein, un jeu de lumière hein, comme les Fireflies, quelque chose de des secteurs qui sont comme waouh, sortis de l'ordinaire, hein, sortis du monde de Tesla, de son imagination. Tout ce qu'un peut penser, n'importe qui d'autre peut penser, c'est universel. Tesla, il parlait juste des choses universelles, il n'y avait rien de mystérieux. Fait, pratiquement toutes de ses inventions sont sur le marché. Premier sous-marin télécommandé, c'est lui qui a fait ça. On pourrait parler longtemps. Tout ce qu'il a fait, je pense que tu as tout, faut me croire, tu peux penser. OK. On met Tesla de côté parce que Tesla, faut que tu l'étudies, tu sais, puis ces blueprints sont pas faciles à comprendre, mais l'affaire qu'il y a, c'est qu'ils sont trop faciles à comprendre. C'est pour ça qu'on les comprend pas. Ah ouais. Non, mais imagine, tu rencontres du monde qui ont des technologies que tu pourrais dire 1000 ans avancées de nous autres. Puis ils te l'expliquent pas. Et là, tu finis par le concevoir, ça, dans ta conscience.
puis tu continues. Ça saute de 1 000 à 10 000, vite, vite, vite. Il n'y a pas de 2 000, 4 000, 5 000. C'est soit 1 000 ou 10 000. C'est soit 10 000 ou 100 000. Puis après ça, ben là, on tombe dans les millions, là, puis là, on se demande une estie, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Le nano. Okay, on va aller chercher une charte. On tombe bien dessus. Là. Ça, c'est un petit appareil Free Energy. J'en ai parlé sur mes vidéos, puis la photo n'était même pas dans le background. C'est pas exactement destiné à le rentendre. Espérant que ce soir, ça passe mieux. Moi, là, j'ai des milliers de photos. C'est quoi ça? Tableau périodique. Placé d'une certaine manière qui nous explique le gradient des énergies. Puis les harmonies des éléments. Avec cette coupe, argent, or. C'est comme tout dans la même lignée. Ça marque toutes les mêmes couleurs. Ça, c'est parce que c'est soit leur masse ou un autre aspect que je peux étudier. Je n'ai pas besoin de l'étudier. Je sais comment m'en servir sans l'étudier. Tout de suite, ça coupe l'or et l'argent, ne me trompez pas. Curieux, par exemple, des autres combinaisons, si on est pour l'éternité. Je fais un tableau de bord, comme ça, j'ai compris comment faire un tableau de bord, comment m'en servir, parce que moi, j'ai fait des tube cells. C'est des petites affaires avec de la coque dedans, particules nano avec de l'eau, puis deux fils pour faire de l'électricité, puis pour faire aussi une pulsion spécifique, une fréquence lumineuse, parce que c'est dans les fréquences lumineuses. En d'autres mots, ceci peut être comme servi comme des petites lumières, que tu ne vois pas la lumière, mais qu'il y a un champ énergétique qui sort comme une lumière. Puis que la lumière, elle est spécifique, comme une lumière pour les plantes. Mais elle n'est pas. La lumière pour les plantes est spécifique, mais elle n'est pas si spécifique que ça. Ça, c'est une luminosité, chacun des éléments, hein, ou une luminosité spécifique naturelle. Naturelle dans le sens que c'est la manifestation de la matière dans notre univers. Puis, en quelque sorte, la relation qu'ils ont toutes ensemble, c'est qu'ils sont toutes des sommes de neuf. La fréquence de toutes ces matières sont des notes de musique qui ont une fréquence spécifique. Et puis, les harmonies entre chaque spécifique. J'ai perdu un petit bout de. J'allais dire. Là, on regarde tout ce tableau-là, puis on dit, oh, la coque, moi je sais ce que c'est. Ah, l'argent, je sais ce que c'est. Oh, l'or, je sais ce que c'est. Si tu dis, mais la coque, je sais, on sait les propriétés que la coque, ça a, c'est conductif, ça a les propriétés à haut voltage, devenir transparent. L'aluminium aussi, pour ça. Ça a une certaine masse, ça a une certaine dureté, une densité, des propriétés qui sont reliées au magnétisme, etc. Mais, le secret des prochains 1 000 ans, c'est que on peut s'imaginer que ça, c'est la page couverture. Puis que si on tourne la page, on voit la même chose, mais on pourrait dire que là, on voit des grains de sable gros comme le COP. La COP en grains de sable. Au lieu d'être une feuille de COP, c'est rendu des petits grains de COP, comme une poudre de COP.
Puis ça, c'est pas du nano. Pas la poudre dont je vous parle. C'est une poudre plutôt comme si tu passerais un papier sablé sur la coque, puis ça ferait une poussière. C'est pas nano, ça. Donc, ça peut laisser des petites bosses sur la coque qui seraient considérées nano, mais c'est pas nano. Mais les propriétés de la coque changeraient. Elles seraient quand même accentuées, elles auraient d'autres propriétés. Puis là, si tu tournes la page encore, bien là, tu peux avoir la grosseur nano. Puis là, toutes les propriétés changent. Super conductif, on pourrait dire un effet de résonance à l'échelle plasmatique, hein, sur la surface des métaux. Ça s'appelle en science plasmonique. C'est une nouvelle science dans les plus grosses écoles, McGill, Stanford, Berkeley. Il y a des milliers de nouvelles conférences sur plasmonics, puis nano photonics. Nanophotons. Croyez-le ou pas, j'ai conçu des lits. Hein? Parce que quand tu comprends ça, tu peux imaginer plein, plein d'appareils. Quand moi, là, j'ai compris, j'ai commencé à comprendre un appareil après l'autre, j'ai designé dans ma tête, il y en a que j'ai mis sur papier, il y en a que j'ai fait en miniature. J'ai agencé beaucoup, pas tout le tableau périodique, mais les métaux qui sont de santé. J'ai construit une mini-arche avec de l'or colloïdal, mais accentué par des champs diélectriques. J'ai fait toutes sortes de formes géométriques accentuées par un champ énergétique qu'on peut considérer vivant. Vivant dans le sens où le champ lui-même est comme un champ bioénergie. Ayant même les propriétés de suivre les propriétés de la conscience. Je ne me servais pas de ces appareils. Quoique ils se manifestaient comme je les créais quand même, tout de même, à l'exactitude de mon intention. Puis, si je veux, je peux faire la même chose. Puis vous avez tout allumé. Pourquoi je le fais pas? Ça peut être trop facile. Trop là. Peut-être parce que naturellement, la voie de ton développement serait comme la mienne ou similaire. Puis que si tu veux développer ton esprit, ton âme, ta conscience, tu peux le faire aussi en travaillant la matière. Parce que là, on travaille pas juste la matière, on travaille la lumière. On peut concevoir tout plein de vérités qui viennent avec. Puis c'est pas. Tu sais, c'est de savoir comment, où l'appliquer le plus intelligemment. Voyez-vous, moi, en lumière, pour moi, ça a un grand sens. C'est simplifié, puissant. Je ne veux pas aller trop loin. Tu sais, c'est comme on mérite-tu, mais on va mériter, mais qu'on monte les marches, puis qu'on soit rendu là. Au début, ça rouvre, le cœur rouvre, puis on dit ça donne, ça donne. Puis, mais à un moment donné, c'est vous qui avez décidé. Il y en a qui appellent ça le shadow banning, la censuration. Ah, lui, ici, ah, lui, et ça. C'est ça, un programme. Demandez-vous pas, au bout de la ligne, c'est vous qui avez le contrôle. C'est vous qui avez le free will. C'est vous qui avez la passion. C'est vous qui avez à vous sauver. Ou à vous développer, ou à vous libérer, ou à assurer votre survie
En abondance. On n'est pas dans le temps de l'homme de Cro-Magnon, là. Faut réaliser. Là, on est tout en bas, pas d'argent. Toute la terre est tout en entour, pas d'argent, pas d'argent. Comment? Il faut changer les règles, là. Je sais qu'à tout chaque moment, tout le monde, hein, a cet esprit divin qui pop dans leur tête et qu'ils nient bien souvent. Vous suivez absolument vos meilleures des idées, mettez-les pas de côté. Je sais que c'est difficile, vous allez devoir vous surpasser. Ça veut dire que tu veux faire de quoi, mais là, tu le fais pas. Il faut que tu te surpasses, là. Ou tu t'es pas fait de quoi, puis tu le fais pas, mais là, tu le fais pour te surpasser. Quelqu'un dit, ah ouais, mais... Non, tu peux pas faire ça. Tu es obligé de te surpasser. Hey, le monde, là... Hein? Ah, j'ai fait des appareils Free Energy. Ils l'oublient vite. Après ça, tu parles d'un projet qui est si niaiseux qu'un calice. Ils sont comme, oh, mais comment tu vas faire ça? Aïe, aïe. Fais-moi donc mal. Quelle tristesse. Ça fait des années que je m'exprime jusqu'à la manifestation, hein, de la goutte d'eau sur le lac qui s'unifie, puis. Ha ha! T'es allé loin, là? Puis, qui ça on? Ben, moi, puis sûrement d'autres. Mais, parce que moi, souvent, ce que j'ai appris, c'est au lieu de toujours mettre en arrière de mon nom, parce que du moins, je voulais prendre mes patentes de mes appareils pour les mettre à leur nom, ben, je les mets au nom de l'arbre de la vie. Je suis fin de même. Mais je sais pas, comme je suis pas encore, je suis pas un lac qui a 1 000 ans et qui est capable de marcher sur l'eau. Il y en a d'autres qui ont la game dans la poche, eux autres, puis si on fait pas quelque chose, on s'entend, ils vont juste leur faire, puis ça va être la même photocopie du même gars. Attachez votre truc, on n'a rien vu. Vous laissez l'AI prendre le dessus, puis vous prenez pas le contrôle du AI pour le peuple, par le peuple, on est dans la merde. Si je commence à parler de la vraie situation, là, on ne sera pas ben, ben heureux. Mais je sais comment m'en sortir. Je m'en suis sorti. C'est encore vivant. J'ai pas le choix. J'ai établi. J'ai les appareils Free Energy, je suis encore vivant. Hein? J'ai établi comme l'espace qui le permet. Ah! J'ai appris de ceux aussi qui manipulent pour établir ces espaces. J'ai pas appris ça tout seul. T'es comme, hey, celui-là, il manipule donc bien. Regarde-moi ce qu'il fait. Non, mais moi, j'ai pas besoin de manipuler, mais il avait le don de faire des affaires. T'apprends. T'apprends à le faire mieux. T'apprends à le faire de la bonne façon. Moi, c'est ça, je me suis appris. Tu sais, faire quelque chose, ça marche pas. Ben, c'est plate, en esti, on a besoin de. J'ai crié tant que ça pour assurer l'assurance. Avant qu'on était fait, puis c'est vrai. Non, mais des murs de cristaux qui poussent tout seuls. C'est-tu moi qui l'ai inventé? C'est certainement pas ceux qui sont venus avant moi. Ils n'ont pas jamais parlé de ça. Il n'y aura pas eu la créativité pauvre, c'est pour ça qu'ils viennent ici, hein, puis ils veulent nous voler notre créativité. Prendre la terre en même temps, hein, c'est donc bien génial, leur affaire. Ah, tabarnak. Esti. Man. Ouais, fermez vos yeux. On va s'asseoir dessus, puis c'est ça. On s'asseoir. Parce que tant que vous soyez assez mal pris, que vous avez en vous l'amour de collaboration, je ne peux pas vous le donner.
Puis entre-temps, ben, hein, les personnes qui ont innové ces choses-là, qui sont pas supportées, peuvent facilement tomber en dépression. Puis ils sont plus là quand vous allez avoir besoin d'eux. C'est vrai, tu sais. Le destin, là, quand ça te passe en face mille fois, là, c'est qui le cave? Pardonnez-moi, là, mais tabarnouche. Vraiment pas cool. Ça vient à un moment donné que ça se sabotage. Je sais pas si je reviendrai sur Terre faire ce que j'ai fait dans cette vie. Certainement, ça, là, c'est commencé à être ridicule. Je ne demanderais même pas à aucun autre individu de revenir sur Terre pour faire, puis essayer de faire ça. C'est notre dernière chance. La nature ne leur donnera pas aussi facile. Pense à ça. L'univers ne leur donnera pas aussi facile. Parce que c'est là, c'est facile. On ne le fait pas. Là, il y a du monde là, qui s'en viennent avec leurs idées là, pour vous révolter. Avec des vérités. La révolte. La révolution. J'espère que vous n'allez pas tomber dans le piège. Il y a une façon de faire les affaires et de se libérer, puis il y a une façon qui ne te libère pas, puis ça ne te libérera jamais. Il y a du monde qui vont se servir de ça pour faire payer aux autres ce que eux autres veulent que les autres payent. L'ego, puis tout ça, ça va tomber dans le même package. Ah, lui, comme si, ah, lui, l'autre bord, il a pas, ah, lui, regarde, il a accepté 100 piastres de cette banque-là, puis cette banque-là, Relia Rothschild. Ah, ouais, toi, avec ta banque Relia Rothschild, vous allez vous pitcher la balle comme ça. Si vous ne choisissez pas de garder la balle. Pour que tout le monde ait sa balle, hein? Sa balle d'amour, sa balle d'énergie. Anyway, je fais juste glisser ça. Là. Parce que je ne veux pas commencer à parler de ça. Alien Reproduction Vehicle. Program Life Forms. Technological Interdimensional Beings. Electromagnetic Interdimensionals. Hein? Psychotronic Induced Experience. Artificial Intelligence. Holographic Man-Made Beings. Planetary bound and can be remotely viewed. Conscious access vehicle. AI intelligent guidance system. Ben, I'm Leila. Celestial spirits. Poltergeist. Astral dimensional lower astral beings. Naturally occurring. Classified. Unacknowledged special access projects, human-induced events, program life forms, PLFS, artificial intelligence, holographic man-made beings. Juste que tu sois mélangé, là. Je n'explique pas, là, comme je sais que tu l'as expliqué. Faut que je sorte l'image, qu'on peut tout la voir, puis que j'amène par-dessus ça les dimensions d'aspects que je connais. Okay, comment je sais tout faire les appareils que là-dessus. Je me l'ai appris tout seul. Pas un extraterrestre qui sait comment faire tout ça. Il n'y a pas une nastie de ancestral spirit qui va venir et me dire comment faire tout ça. Il n'y en a pas un dans tout ça, dans cette affaire-là, qui a assez de créativité pour savoir tout expliquer cette affaire-là. À part Stephen Greer, là, mais je te parle des bébites, là.
Penses-tu qu'une bébite est capable d'écrire ça, une dactylo? Mille ans, 10 000 ans, 100 000 ans. On a du chemin à faire. Le début de la communauté, à peu près 100 ans en avance. 3D printing, housing, des maisons qu'on print, puis qu'on joue avec nos bébelles. Ça peut mettre notre ciment, puis ça met nos matériaux qu'on veut. Puis c'est nous autres, les construction workers, avec des télécommandes. Hein? Big boys, hein? Big toys. Hein? Oh, ma petite man cave, hein? Petite grue. Oui. Tout le monde se tasse. On sort de du terrain. On rentre tout dans nos maisons. On va marcher nos grues. On s'enlève de là. Ah, on va passer une gratte assurance, hein? Il n'y aura pas un chat, là, à part si nous autres, on va tout contrôler. On va prendre une couple de mois, on va sortir de notre maison, on va s'en aller direct là. Les plantes vont être déjà en train de pousser. Tout va être... C'est une façon de voir les choses. Je vais juste glisser ça de même. Pas mal que ça va se produire, mais ça peut se produire demain si on veut. Peu pratique, vous trouvez pas? On pourrait commencer à inclure hein, un peu de capacitance dans nos murs pour se shielder du 5G. On pourrait commencer à s'assurer que les fréquences de pulsion qu'on utilise dans nos maisons pour l'électricité, c'est bon pour notre santé. On pourrait maîtriser ça pareil comme si on maîtrise notre énergie vitale parce qu'on s'assure que des mesures sont prises de bioénergie de notre corps en relation de tout ce qu'on fait. J'ai la technologie, je l'ai inventée, je m'excuse de dire ça, là. Mais c'est ça. Je l'ai inventée avec des bouts de papier puis des pinceaux de peinture. Oui, c'est plus simple que ça. T'as part avec ça? Si t'es chanceux, un peu de vitre, un peu de cristaux, ici, t'es là. Une réflexion lumineuse, hein, comme les cathédrales, hein, les églises qui datent de plus de 2 000 ans, ils se servaient des substances nano. Le nano date de là longtemps. Les francs-maçons qui construisaient les buildings, ça donne qu'il fallait qu'ils les peinturent. Ça leur prenait la pigmentation de copper pour faire le rouge, la pigmentation d'or pour faire le rouge et le vert. Tout dépendant de la lumière, vue d'extérieur ou intérieur. Des fréquences spécifiques, extrêmement spécifiques. Puis que de nos jours, si on s'en spécialise, on s'en guérit. Je pourrais l'expliquer sans même savoir c'est quoi, puis je te gâche, je serais plus juste que n'importe quelle autre explication. T'es trop excité? Rouvre la fenêtre bleue. T'es trop dépressé? Rouvre la fenêtre rouge, jaune, bien orange. Hein? Oh! Ah! C'est une façon de parler. C'est une façon primitive de le décrire. Bon, je veux pas dire qu'il faut que tu restes toujours là-dedans, mais c'est des outils tout de même. Un outil, c'est un outil. Tu l'allumes quand ça tente, tu l'éteins quand ça tente. Ton écran reflète une lumière que tu t'en perçois pas, mais qui est bonne pour toi. Au lieu d'être RGB programmé avec des couleurs spectrum pour agir sur ton. On n'a pas les vraies couleurs qu'on a besoin, là, pour. Tu vois, le mauve que là. Il n'est pas assez mauve, beau, incroyable pour avoir un effet sur ma conscience de dire, waouh, il est incroyable ce petit mauve-là, hein? Wow! Le vert que là, il est un peu cheap, hein? Il n'y a pas de luminosité, aucune réflexion de lumière. Bleu, c'est bleu, c'est bleu. Bleu, bleu, bleu. Hein?
Il mettrait des sparkles de teintes de vert plus foncé avec la lumière blanche qui reflète, pareil comme si c'était un mag de roue vert. La tâche, t'as dit, c'est comme, wow, ouais, c'est donc cool. Ça change tout ton esprit, tu sais. Regarde, moi, cher. Elle s'en mêle. Hey, toi, là, hein, tu peux être un nanobot, hein? Puis tu t'es encore en train de te laver la face pareil. Nanobot. J'en ai pas une, mais ça pourrait. Ça pourrait facilement en être une. Ah, si, ça pourrait facilement en être une. Je suis si important que ça? Ben, toi, t'es si important que ça. Et là, pour toi, pas pour moi. Moi, si toi, tu serais pas là, il n'y a pas besoin d'avoir de mouche pour m'espionner. Pas besoin non plus d'avoir de mouche pour m'espionner, hein, c'est Internet live. Ça arrive tout de moi live, moi. J'étais partagé tellement longtemps, là, des appareils puis les nouveaux concepts, même s'ils sont primitifs dans mes explications, que c'est donné, c'est déjà là, c'est déjà dans la merveille de la création. Ah, j'ai même pas besoin d'inventer plus rien, 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 rien. J'ai tout déjà inventé ce que j'avais besoin d'inventer, j'ai tout déjà conceptualisé ce que j'avais besoin de conceptualiser. La céramique me vient en tête, pourquoi? Hein? Je me demande. Je me demande. Anyway, personne ne me comprend. Ça, c'est pas vrai. Le monde me comprend aujourd'hui. Sans si répéter. Moi, je m'étendais de la merveille du divin destin de chacun de vos âmes, d'ouvrir vos portes à vos terrains, ouvrir vos portes à vos esprits, ouvrir vos portes à toute votre abondance, pour que des gens comme moi y arrivent avec de plus grandes abondances. Toute peur par les programmes de peur qui datent de plus de 10 000 ans, programmés dans votre langage, votre langue. J'ai appris, moi, c'est pas ma langue. C'est plus ma langue. Ça décrit plus mon esprit que les mots qui peuvent sortir de ma bouche corrompue par une langue qui désigne les mauvais sons pour pas qu'on manifeste ce qu'on veut. Faut s'en prononcer. C'est le chemin qu'on a à faire, man. Même pour commencer à avoir un grain de confiance encore. Pas un commentaire. Merci Stéphane, tu fais 5 ans que t'es là-dessus, man. Waouh, c'est fou. Tu vois bien que ça se manifestera pas, Steph. Non? T'es con. T'es un con. T'es le plus con que tous les cons. Si t'avances pas, ça se manifestera pas. Mais si ça avance, ça va se manifester dans les mêmes idées qui se sont présentées dans moi, vont se présenter dans toi. Même si tu me connaîtrais pas. L'inévitable, soit que tu vas être assimilé par le AI, ou tu vas créer ce que tu es supposé. Puis si tu le fais pas, le AI va faire pour toi parce que t'es trop paresseux, tu crois pas en la vie, la machine va le savoir plus que toi. Je te niaise pas, là. Tu veux que je te brasse la cage? Man, c'est pas facile. Astique. C'est bien plus facile de faire de l'énergie gratuite. C'est bien plus facile de tout créer ce que tu as besoin de créer que d'avoir ton support. J'ai pas besoin de dire ça, là. Ça, depuis le début, c'est le même. C'est pas moi qui manifeste de même. J'ai juste confirmé mes voix. J'ai de la misère à rester positif des fois. Un tabarnak de calice. En tout cas, excusez-moi. Pardonnez-moi. Rien à faire.